Bonjour la famille, on est parti pour une nouvelle vidéo, c'était pas prévu. Donc du coup hier j'ai roulé d'Italie jusqu'à Nice et j'ai trouvé une mission assez sympa à faire là ce soir. On va de Nice à Porto Vicho, c'est en Corse. Donc c'est une mission de 7 675 euros. Mon ouvrier, il dort toujours, mais il va se réveiller dans peu de temps, je crois. Donc voilà, on est parti pour une nouvelle vidéo. C'était pas prévu que je fasse une vidéo là ce soir. Bon, du coup, je la fais quand même. Et du coup, ça nous fait de la route, ça nous fait 17 heures de route à faire. Bon, il y a 17 heures de route et 720 km à faire. Donc on est parti. Donc, j'espère que votre petite journée s'est bien passée. Donc je ne sais pas comment ça va se passer là parce que c'est une. Comment ça s'appelle? Ça commence bien, j'accroche déjà la remorque. Comme quoi, là, c'est la première fois que je vais en. Comment ça s'appelle? En Corse, hein. Et du coup, je pense que je vais faire une vidéo de Farming Simulator 19. Je pense que je vais faire une vidéo mercredi. Mercredi soir. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Donc, on va prendre le bateau Allez, après. droit. Et du coup, après, on va réparer le camion parce que bon, c'est de l'usure, hein, j'ai pas eu d'accident, quoi que ce soit hier. Donc je pense que ça va faire une vidéo de 40 minutes, je pense, là, ce soir. Donc là, on sort de Nice. Du coup, j'ai envoyé un mail pour jouer en ligne avec d'autres joueurs. Donc ça va se confirmer. J'attends le mail de confirmation pour jouer en ligne, justement. Parce que là, je joue en mode solo. Donc je vais voir. Normalement, ça met 24 heures pour activer le compte. Hein, donc ça sera, je pense, demain.
Désolé, j'ai eu un petit problème avec mon volant. Parce que je peux régler la sensibilité. Et je l'ai bougé hier et... Donc encore une fois, désolé, c'est encore en pleine nuit, hein. Chaque fois, je fais des vidéos en pleine nuit. On va mettre un peu de musique d'ailleurs aussi. Donc là, c'est une petite mission de 7680 euros, je crois, hein, comme j'ai dit. Mais je pense que après, ça sera des missions un peu plus chères, j'espère. Je crois que j'ai discuté avec un gars que je suis beaucoup en ligne. Je suis un ami avec lui sur Streaming et Discord. C'est Kev, Kev le Lyonnais, et il disait que après c'est des grosses missions. Plus on avance dans le jeu, c'est des grosses missions. Donc là, on est à 15h30 de route et on a 555 de kilomètres à faire. Le jour se lève. Mais là, il a des mecs qui décident de cul. Ouais, ah ouais, c'est vrai.
pas du tout. Ah, pardon. Il y a d'autres pays comme ça, il y a plusieurs écoles qui existent derrière où souvent ils sont embauchés dans les boîtes du mec, quoi. Mais la formation est gratuite. Ouais, je sais, mais c'est 80 heures par semaine. Hein. Tenez la droite. Toi, comment 80 heures par semaine? Ah oui, il faut taper 80 heures par semaine dans l'école. Ouais, mais bon, c'est d'ailleurs des lois de 35 heures, des droits. Ah, mais bon, si derrière t'as un taf. Non, mais si ta passion, tu t'en fous de passer 80 heures sur ta passion. Ouais, mais après, je sais que moi, ma passion, enfin, c'est le PC, les jeux, etc. Mais ça me ruine ma vie. Et je suis principalement au-delà de 10 heures par jour. Et ça veut dire que t'as pas de vie sociale, t'as pas de potes? Non, franchement, j'ai perdu ma vie sociale. À cause de ça? Et donc, tu vois, t'as perdu 80 heures par semaine? Hein. C'est à cause d'une communauté sur un jeu, en fait, que j'ai perdu ça. Tu joues à quoi? Alors, j'ai joué. En fait, je joue vraiment à tous les jeux. Mais principalement, le jeu où j'ai le plus d'heures, c'est Garry's Mod. Ah, bah, c'est en l'infini. En une journée. Oh, c'est facile. Ouais, ça. Tu penses que là, c'est moi. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu. Tenez la gauche. Sandbox, roleplay, etc. Quoi. Hein? Ouais, tu me parles, je comprends rien. Alors, redis à Marie, parce qu'elle va pas compris. C'est un jeu sandbox multiplateforme. Enfin, multiplateforme, ça peut être roleplay, sandbox. Alors, le roleplay, le principe, c'est de jouer dans la peau de quelqu'un. Voilà, dans la peau de quelqu'un. D'accord. Le sandbox, c'est un petit peu du délire. C'est tu construis des objets, des bâtiments, n'importe quoi. Ah, c'est bien, c'est moi, je sors du jeu. D'accord, ok. On a construit des villes. Mais actuellement, le jeu, c'est devenu un petit peu la merde. Ça a perdu sa valeur. Mais bon, t'as démarré là-dessus, toi. Voilà, j'ai démarré énormément. Là, actuellement, j'arrive à perdre 5000 heures dessus depuis ces 4 dernières années. 5000 heures, ça fait combien en 1000 heures par. Ça fait 4 mois et demi, 5 mois. Ah, t'as calculé. Tu fais quoi dans la vie sinon, parce que. Mais à part ça, ouais, tu fais quoi? À part ça, bah, je suis au chômage en fait. Et t'as pas envie de trouver un travail là-dedans? Je sais pas, tu m'en fais Franchement, j'avais été posté à Ubisoft pour essayer de faire des stands de jeux vidéo déjà. Ouais, en fait, qui trouve que c'est un boulot sympa, ça serait ouais, mais ça, bon, on a découvert la ville de Marseille, comme ça, bah, du coup, ça pourra nous faire des livraisons à Marseille aussi. Voilà. Tenez la droite, du coup, bah, sortez à droite. J'ai passé un TAP et cuisine, petit, bon, bah, j'aimerais réorienter sur de la vente, essayer de voir. Sortez à droite. Et voilà, quoi. Mais là, vu que actuellement, mes heures de jeu au total, ça revient à près de 15 000 heures. Ouais, mais au final, ça sert à rien, quoi. Je veux dire. Ouais, t'as pas l'impression d'avoir perdu un peu ton temps? Bah, 4 ans et demi, c'est quand même des amis et. 4 ans et demi par an, pardon. Non. Bah, non, c'est au total, j'ai à peu près 4 mois et demi de jeu, juste sur ce jeu. Ouais, mais t'as un ouf. Ouais, non, c'est ça. Il a bien dit, comme ça, il a été embauché en tant que joueur professionnel, ouais. Là, il y a 3 semaines, ouais. Bien ça. Ouais, sur je sais plus quel jeu, il est bien payé. Je m'en souviens pas. Bah, et apparemment, il est bien payé, mais j'ai pas eu. Prenez la deuxième sortie. C'est en fait de mon fils, qui a vu ici plein de fois, ouais. Mon fils, tu sais, Léo. Je n'avais pas vu la voiture, mais c'est de ma faute aussi parce que je n'ai pas regardé. Je crois qu'on va pas tarder à prendre le bateau, je crois. Parce que je crois qu'on va arriver sur le port. Donc là, oui, on va prendre le bateau, je pense. Donc il nous reste 467 km, soit 14h18 de route. Donc si j'ai un problème sur la vidéo, je ferai en deux parties, mais normalement, non, ça devrait passer.
fait, je perds mes potes, en fait. Bah, tu les vois jamais, hein, au bout d'un moment, tes potes, ils leur montent, t'en es conscient. Toi, ils restent tout seuls tout le temps. C'est vrai quand t'as... Oh, j'ai perdu, je sais pas, j'ai une cinquantaine de potes. Ah ouais. Et là, actuellement, t'as encore des bons potes, des gens, tu les appelles, tu sais que tu peux compter sur eux. Franchement, non, je crois pas. Ça, c'est pas bien. Ah ouais, tu t'es coupé. Ça veut dire que t'es trop drogué. Ouais, mais après, les mecs, il faut les comprendre aussi. Hein. C'est comme si t'as un pote bien sûr, à chaque fois, pour sortir ou quoi, lui qui te dit toujours non. Ouais, bah, tu l'appelles de moins en moins, puis un jour, tu l'appelles plus. Ah ouais. C'est pas que tu te fais méchamment, c'est que c'est. Tu t'appelles un ouais, c'est naturellement, tu te dis, ouais, de toute façon, le mec, il peut jamais. Non, mais puis en plus, tu fais que ça, donc sur les discussions. Ah bah il y a mon chauffeur qui a dû faire sa livraison parce que ça m'a fait dans les 11 000. Ouais, il a fait Paris-Calais, il a fait 1300 euros. Quoi, 1400, ouais 1340, c'est bien. Donc j'ai écourté la vidéo parce que j'ai une pub qui s'est affichée. On va aller jusqu'au port et... Je vais l'arrêter tout de suite. Je suis désolé, on fait 102 parties.